a toujours un Italien qui relève le défi et qui se place aux anneaux. C'est quand même assez impressionnant. Et le public de Bercy a acclamé comme il se doit Eric Poujade. C'est parti pour Eric. Beaucoup, beaucoup d'élégance et de précision dans le travail. Regardez. Travail sur un arçon. Il en est à son quatrième tour sur l'arçon. Changement. Et maintenant, accélération pour passer sur la selle et faire à des transports en traversant le cheval en cercle. Magnifique travail d'Eric Poujade. Oui, c'est grande parfait, forme. Hein. C'est parfait. Ce garçon aurait une idée derrière la tête de faire une médaille au championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg. Je pense que je ne vous surprendrai pas si je vous disais que je le pense, Eric. Peut-être ce qui fait la différence avec d'autres, regardez, c'est ce corps à plat lors de la rotation. Le corps est parfaitement à plat et les jambes sont impeccablement serrées. Pointe de pied tendue, c'est l'image de la gymnastique. Regardez l'amplitude des cercles et des ciseaux. Aux anneaux, pour la Biélorussie, Ivan Ivankov. Il est décidé, les prises sont fermes. Neuf 775.